piscine. Ça va, un bec. De l'eau. L'eau, c'est la vie. Bon ben voilà, on a fait notre petite ascension jusqu'au Chilico Lake. Chilicho, qui n'est pas du coup le lac le plus haut du monde. On ne saura pas si c'est le Titicaca, le Singhi, au Tibet, voilà. Bon, vos retours les copains? C'était génial. C'était un peu frais là-haut, mais c'était top. Un peu dur quand même. Ouais, ça dépendait des groupes. On sait pourquoi on est fatigué maintenant. Voilà. Là, on va traîner la caravane pendant 3 heures et on va essayer de se trouver un petit refuge. Voilà, on rebrouche chemin parce qu'on peut pas aller plus loin et là on va essayer de trouver voilà, un hébergement pour ce soir. Bonjour tout le monde, 10e jour, en tout cas pour Jean-Louis et moi, et 7e pour vous je crois, ouais 7e pour José et Jacqueline. On repart de Srikarka et là c'est direction Ledar. Je sais pas combien on en a pour 5, 6, 7 heures, je sais pas trop, voilà à peu près 5 heures. Et puis avec un bon dénivelé et surtout quelque chose que vous adorez, c'est quand je passe des ponts, il y en a 3 prévus aujourd'hui. Allez c'est parti, 10e jour et demain ça sera petite journée de repos avant de passer le Torong Pass. Bon, ben on est arrivé à Yakarka, petite pause du midi, ça s'est plutôt pas mal passé, qu'est-ce que vous en pensez? Impeccable. Impeccable. Bah, hier c'était de la rigolade. C'est vrai que hier Chilicho c'était pas la même. C'était vraiment chaud Chilicho. Donc là on est arrivé, et alors petite explication, à chaque fois que tu t'arrêtes pour manger quelque part, en fait ils te donnent du coup les menus, voilà. Et après c'est à toi d'écrire, voilà, sur la petite feuille de commande. Voilà. Oui, pourquoi se faire chier, autant laisser faire le client. Bah voilà, c'est quand même mieux, ah oui. Hein. Encore un autre pont, à chaque fois c'est une épreuve. Bon, j'ai l'impression quand même que c'est un petit peu mieux quand même à chaque pont, mais ça reste toujours très compliqué quoi. Je prends énormément sur moi, trop peur de regarder en bas et d'être complètement tétanisé, pour vous dire. Donc bon bah allez, on est parti hein. Bon, je sais pas si vous m'entendez,
Je suis essoufflé. J'ai oublié de me speeder. Parce qu'il y a des poneys qui arrivaient derrière moi. Et quand il y a quelqu'un qui marche en même temps que toi sur le pont, ça fait grave bouger le pont. Oh la vache. J'en peux plus. Le pire de tous. La petite chambre pour ce soir, là c'est juste royal. Le lit double, truc de ouf. L'autre lit, bon, pas besoin. Un petit lit double. Et des chiottes privées. Par contre, bon, eh ben, chiottes turques quoi, hein. Pas tout avoir. Un grand lit et des vraies chiottes. Et bon, bien content d'être arrivé. Surtout après l'épreuve du pont là avec les poneys. J'ai vraiment pas fait le malin. Qu'est-ce qu'on mange au petit déj ce matin? Pancake. Un petit pancake au chocolat. On a quoi d'autre? Pancake avec du miel. Pancake avec du miel. Un Tibetan bread avec de la confiture. Tibetan bread avec de la confiture pour José. On est bien loti, hein. Et pour Benito, je sais plus, Tibetan bread et une omelette. Bonjour tout le monde, 11e jour de cette formidable aventure. Ça commence un peu à piquer là physiquement. Du coup là aujourd'hui on a une toute petite étape parce que là on se rapproche très fortement du coup du col du torrent Pass et on a deux possibilités. Là on se trouve à 4200 mètres, soit on monte à 4500 pour atteindre le premier refuge et on passera du coup le col demain matin, soit du coup on monte encore plus haut ce soir pour monter à 4009. Mais du coup c'est pas conseillé par rapport à l'altitude si on n'est pas voilà par rapport au mal des montagnes et en plus il paraît que le refuge est vraiment pas top top. Donc du coup aujourd'hui petite étape, on est à Lédard, on va jusqu'à Pédi et ça va nous faire 2 heures de marche et voilà on aura un peu plus à marcher demain la nuit prochaine pour passer le col. Mais voilà pour le programme d'aujourd'hui, ça sera très bien vu la fatigue qui s'accumule, c'est très bien. Bien le bonjour tout le monde, dis bonjour Michel, Jean-Louis. Salut, on est chaud. On est chaud, on est prêt. Dernière très grosse journée, du coup, il est 4h du matin. On est à 4600 mètres et là on s'apprête à partir avec notre petite équipe de 4. Et il y a 3 autres personnes qui se sont rajoutées. Du coup on est 7 à tenter l'ascension. Enfin pas à tenter, on va tous franchir du coup le Torrent Pass à 5400 mètres. Au taquet. Et ouais, on est chaud patate. Oh, ça sent dans la voix Jean-Louis, hein. Oh putain, nom de Dieu. Allez, c'est parti. Et ben petite pause à 5000 mètres, tout le monde va bien? Tout le monde au taquet. Pour l'instant, tout va bien. Il y a que la fraîcheur. Ah, t'as mis les gros gants, mais hein? Ah bah obligé, moi, les gros gants, déjà là, j'ai les doigts gelés. Ah bon? Ah ouais.
Et ben voilà, le point culminant du tour des Annapurna. Et ben là j'y suis. Je suis à 5400 mètres. La montée s'est passée vraiment super, super bien comparé au Kilimandjaro. On était vraiment avec un super petit groupe. On a réussi à monter tout doucement. Et là, mais cette vue, je vous fais un petit 360. C'est ouf! Bon bah encore un pont, et puis celui-là il paraît qu'il est hyper profond. Bon bah vous aurez pas la chance de voir la profondeur et je regarderai pas en bas non plus pour vous dire. Bien le bonjour tout le monde, 13e jour et dernière étape du trek des Annapurna. Malheureusement, je vais être obligé d'un petit peu décourter si je veux voir d'autres choses au Népal par rapport à mon visa. J'ai que un mois et si je fais les 17 jours comme j'avais prévu, et ben malheureusement j'aurai pas le temps de voir autre chose au Népal. Donc j'écourte un petit peu pour voir ensuite d'autres choses. Voilà, allez, on est parti pour une dernière journée. On va aller jusqu'à Kek Beni, c'est la porte d'entrée du Mustang, c'est une région du Népal. C'est une ancienne cité médiévale, donc il paraît qu'elle est vraiment super sympa cette petite ville. Donc on va aller voir ça ensemble. Un petit 11 km à faire, 900 mètres de démoin, donc tranquillou par rapport au reste. Allez, c'est parti. Et puis il y a deux ponts aussi aujourd'hui. Voilà, comme dit Alex, le Geeks Day, voilà. Il est déjà 10h30, on a dû marcher 10 minutes. Et on est déjà perdu. Même qu'on précise, là je vais vous faire voir après, il y a deux teams dans le groupe. Il y a la team, alors hop là, oh merde. Il y a la team carte, carte papier et la team application. Et du coup ça se bataille sévère pour savoir où est-ce qu'on va. Alors, on a Jean-Louis qui est devant pour la team application. Et nous avons Fifi derrière, carte à la main. Voilà pour la team carte. Alors plutôt team carte ou plutôt team application derrière? Alors, on a une nouvelle team qui vient de se créer. Team, j'ai pas envie de prendre de décision, la team suiveur. C'est très drôle, c'est que la team application qui est partie là-bas et la team carte qui est partie là-bas ne savent pas où on est. Voilà. Ouais, bon, on est toujours perdu. La team carte et la team application n'arrivent pas à se départager. On est en train de passer dans les... avec les vaches IAC, on sait pas trop parce que ça se croise entre les deux. C'est pas gagné, heureusement qu'on a une petite étape aujourd'hui, moi je vous le dis. Bon bah voilà le premier des deux de la journée. Il est bien long mais il est moins haut que celui d'hier. Mais j'aime pas, hein, putain, ça a beau être, j'ai beau en passer tous les jours. C'est peut-être mieux que les premiers jours mais c'est chaud, hein. Hier, j'en avais les jambes qui tremblaient après le pont. Hein. C'était le pire. Celui d'hier, c'était vraiment le pire. Bon, j'ai réussi à le franchir. Comme je disais, c'était pas le pire parce qu'il y a pas, il est pas très profond en fait. Mais je sais pas pourquoi ça me fait chier. Mais bon, allez, plus qu'un. Alors, dans la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Là, complètement à gauche, là, juste là, ici, vous avez un sommet à plus de 8000 mètres, ça doit être entre 8000 et 8100, et c'est le Dholagiri.
Voilà, la petite rubrique, je le dis quand même, mais tout le monde s'en fout. Alors du coup, là, le torrent passe à 5400 mètres. Il est juste là, en fait. Et on a descendu tout ça. À quoi ça ressemble, des voyageurs, des trekkers voyageurs qui prennent des photos tout le temps. Bon, du coup, je fais la même aussi, hein. Bon bah la très bonne nouvelle, c'est qu'il y a deux teams qui se sont formées. Une team pompe, composée de José, de Valentin et de Jean-Louis. Voilà, la team pompe. Et l'autre team, la team piste, avec Alex, avec Fifi, avec Jacqueline. Voilà. C'est pour pas descendre. Voilà, ben je suis tout à fait d'accord avec Jacqueline, c'est pour pas descendre et remonter. Je valide cette proposition. Alors la team pont en pleine action. Oh les cons. Bonjour tout le monde, et ben voilà, ce trek des Annapurna, c'est fini. J'avais prévu 17 jours au départ et au final j'en ai fait 13 pour pouvoir écourter, pour pouvoir faire d'autres choses au Népal avant la fin de mon visa, parce que si je faisais du coup les 17 jours, ben, ça allait être compliqué après pour la suite, j'aurais pas grand chose. Donc là je vais partir vers de nouvelles aventures au Népal. J'espère que ces images vous ont plu, en tout cas moi j'ai vraiment kiffé. Si t'aimes la montagne et la randonnée, vas-y fonce. Si t'as le vertige, un gros vertige, renseigne-toi quand même sur ces ponts de singe, parce que pour moi ça a été quand même la lutte à chaque pont de singe. Et encore j'ai pas tout fait, il paraît que les pires sont vraiment à la fin, ce que j'ai pas encore fait. Mais c'est vraiment super chouette, les Népalais sont excellents. Moi ce que j'ai vraiment adoré aussi c'est l'adaptabilité, c'est-à-dire que tous les 5 km même pas, tu peux manger et du coup dormir. Elle est vraiment très très raisonnable. Du coup ça c'était vraiment super cool. J'ai vraiment kiffé ce trek, des paysages magnifiques. Allez, j'en dis pas plus, je vous dis à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Je remercie énormément Jean-Louis. Je remercie énormément Jean-Louis alias Greg. Je remercie aussi énormément Jacqueline et José alias Amélie et Clément. Et je remercie aussi énormément Valentin, Philippe et Alexandra, voilà, qui m'ont rejoint du coup sur ce trek. Je vous mets les liens en description pour les suivre sur Insta, sur les différents réseaux sociaux. Voili voilou, je vous dis à tout bientôt dans le sac à dos de Benito. Ciao ciao les copains pour de nouvelles aventures.